Est-ce qu'on peut dire que vous êtes spécialisé dans le trompe-l'œil? Est-ce qu'on peut dire que c'est votre ressource principale? Alors, oui et non, c'est-à-dire que je fais pas mal de trompe-l'œil. Là, c'est parce que à Bergerac, effectivement, c'est ce qui marque le plus, c'est le trompe-l'œil. Mais je réalise aussi d'autres décors qui ne sont pas forcément du trompe-l'œil. Mais effectivement, je suis plus connu pour le trompe-l'œil. Alors, il y a un trompe-l'œil place de l'Atre de Tassigny, un rue La Canale. C'est ça. Et le troisième. Et en fait, on ne l'a pas vu parce qu'il est chez un privé. Ah, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. C'est la rue des Deux Conils. C'est... Donc dessiner avec la... Moi je suis droitier, c'était la main droite dessinée avec la main gauche. Ah la vache. C'est pour ça que c'est un peu tremblotant. Mais ça donne une écriture qui est différente et qui n'est pas inintéressante. Bonjour Christophe Boucher, on est à Périgueux ce 3 mars, on est chez vous, merci de nous accueillir. On a pris quelques temps pour prendre ce rendez-vous grâce à Fred qui est derrière la caméra et qui a, figurez-vous, été épaté de voir qu'à Bergerac il y avait des trompe-l'œil avec des choses tout à fait étonnantes. Et c'est vous l'auteur, vous êtes un type qui fait des trompe-l'œil. Et alors moi j'ai trouvé ça très intéressant, j'adore les trompe-l'œil aussi, comme beaucoup de monde, je suis surpris par les... souvent quand on ne les attend pas évidemment, on dit « Ah mais non, c'est un trompe-l'œil ». Je ne sais pas si la France est particulièrement gâtée de ce point de vue-là, en tout cas je voyage un peu, j'en ai vu aussi pas mal dans les pays étrangers.
Et c'est toujours stupéfiant. Donc voilà, on a un peintre de trompe-l'œil devant nous, on va en profiter. Vous êtes tombé là-dedans comment ? Je suis tombé là-dedans parce qu'en fait, mon père peignait déjà. Alors, il ne faisait pas du trompe-l'œil, mais il était peintre amateur, uh-huh. avec une formation en école d'art aussi. Il n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin, parce qu'après, le travail, la vie, la famille, tout ça, ça l'a rattrapé. Donc, il a dû manger, il a fait autre chose. Mais, autre chose qu'artiste. Autre chose qu'artiste, oui. D'accord. Menuisier, en l'occurrence. Uh-huh. Et puis, j'ai eu cette fibre-là. Et depuis tout petit, en fait. Vous avez dessiné, vous avez peint. Oui, je ne me suis pas arrêté. J'ai commencé tout petit, j'ai commencé par dessiner mon père, ma mère, mes frangins, enfin tout ça. Uh-huh. Et puis après, j'ai rencontré l'artiste local avec qui j'ai fait... Vous dessinez, vous étiez petit, c'était la ressemblance qui vous intéressait ? Dessiner ce que vous voyez vraiment. Oui, alors au départ, on commence à dessiner, on dessine Mickey, Popeye, des trucs comme ça. Ah, d'accord, hein. Oui. Des caricatures un peu. Ouais, ouais. Ou juste reproduire une image dessinée qui nous plaît. Et en grandissant, on arrive à. On veut développer un peu plus. C'est vrai qu'on essaie de se rapprocher, enfin, en tout cas pour moi, on essaie de se rapprocher de la réalité. D'accord. Et d'avoir une vraie ressemblance, surtout quand on est un portrait, c'est quand même le but. Mmh. Et là, oui, c'était surtout des profils. Ah bon, oui. C'est plus simple. Oui. Hein, comme les Égyptiens, ils ont fait ça aussi. C'est antique, bien sûr. Voilà. Oui, c'était plus simple. Oui, et puis voilà, après, comme je disais, j'ai rencontré un artiste local. Avec qui je partais en balade de temps en temps. Ça, c'était à Paris ? Alors oui, c'était en banlieue parisienne. Ouais. C'était à Herblay, dans le 95, Val d'Oise, mm-hmm. et près de Conflans-Sainte-Honorine. D'accord, vous aviez un maître, enfin vous avez rencontré un type qui a joué le rôle du maître, quoi. Oui, je pense que c'est ça. Mon père aussi m'a donné quelques trucs, puisque lui dessinait quand même très bien aussi. Ouais. Mais bon, c'est vrai que je sortais, j'allais en campagne, sur Chevalet, on peignait la nature, uh-huh. les quais de Seine. Sur le motif, comme on voilà, dit. Sur le motif, ouais. c'était assez sympa, assez joyeux. Uh-huh. Et puis des fois en atelier aussi, parce que c'était sous la MJC. Parce que pendant ce temps, vous alliez à l'école. Oui, c'était vos activités extrascolaires. Exactement. D'accord. Et j'ai toujours fait ça, même quand j'ai été hospitalisé pour une petite une hernie ou une appendicite. J'amenais mes crayons et je dessinais aux chambres voisines. Quoi. D'accord. J'ai toujours fait ça. C'est la pâte, quoi. Très bien, ça a duré. Alors donc là, vous êtes, vous passez votre bac ou qu'est-ce alors, qu'on dit là ? Alors non, parce que ça se passe à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Moi, je voulais faire une école d'art. C'était, bien sûr. Ouais. En fait, c'était le seul chemin. J'avais pas d'autre vision. Et naturellement, donc après, il fallait juste que j'aie le brevet, d'accord. qui me permettait de passer les concours dans les écoles d'art à Paris. Mm-hmm. Et en fait, j'ai passé le concours aux arts appliqués, rue Olivier de Serres. D'accord. Et, très bonne école, paraît-il. Voilà, aujourd'hui encore, oui, c'est pas mal. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était l'art mural. D'accord. Voilà. Donc, dès le début, vous avez... Alors, il y a eu une petite bifurcation pendant l'école. Uh-huh. Donc, je reviens juste après au brevet. Une fois avoir le brevet, je passe le concours d'entrée. Donc je le réussis et je suis pris donc, pour 6 ans en fait, de formation. Ça commençait par la seconde, première terminale. Et le concours consistait en... Alors c'était uniquement le dessin pratiquement. Fallait que vous prouviez que vous étiez un peu avancé quoi. Voilà, oui, il fallait démontrer certaines aptitudes. C'est ça. Ouais. Et donc il y avait dessin d'atelier, enfin en dessin de comment on appelle ça. Je crois d'ailleurs me souvenir le dessin qui était à faire pour le concours, c'était une énorme cocotte en papier.
D'accord. Qui était suspendue. Ouais, c'est compliqué parce que. Et puis selon l'endroit où on se trouve dans l'atelier, c'est. Donc voilà. Sur tous les angles, oui. Exactement. Et puis ensuite, il y avait la partie couleur pour un autre projet. C'était un plat de. C'était, ils avaient ramené de la cantine un plat de choucroute. D'accord. Alors, c'est ce qu'il fallait peindre. En couleur. C'est bien en couleur. Ouais. C'était assez, ouais, c'était assez éclectique quand même. Il y avait pas mal de trucs comme ça. Vous étiez combien dans une promotion? Il prenait combien de personnes? Il prenait 50 personnes sur 500, je pense. Ah, vache. Ouais. Donc là, on est dans les années. 60. Du coup, on va savoir quel âge vous avez. Quoi, oui, non, mais il n'y a aucun souci. C'était dans les années 78, je crois. Ah, d'accord. Ouais, 78, je crois que je suis rentré en 77-78. Ok, d'accord. Et vous donc, étiez tout petit en 68, donc. Ah, en 68, oui, j'avais 7 ans. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc, 78, vous entrez pour 6 ans. Oui, parce qu'en fait, le cursus était seconde, première, terminale. Pendant ces 3 années, nous parcourions les différents ateliers pour que la 4e année, qui était l'année du diplôme de l'école, nous choisissions un atelier, celui qui nous avait le plus intéressé pendant ces 3 années. Donc ça m'a permis de faire plusieurs des petits tours dans des ateliers comme la fresque. C'est-à-dire la fresque avec les peintures sur enduit, sur enduit frais. Bas-relief et haut-relief, tout ça. Non, ça, c'est la sculpture. Alors, ça, c'est la sculpture. Sculpture. Ça n'existe pas. On ne dit pas la même chose pour les peintres. Non, il n'y a pas de haut-relief pour leur entrepôt. Excusez-moi, on dit seconde, première, terminale. Ça, c'est le nom de la classe du lycée aussi. Oui. Il y avait un bac aussi ou... Alors, justement, il n'y avait pas de bac. Après la terminale, c'était pas sanctionné par un bac. C'était une année. Qui précédait l'année du diplôme, en fait. Ah, okay. D'où le choix de l'atelier. Et l'année de la 4e année, l'année du diplôme, nous permettait de travailler 20 heures par semaine dans l'atelier qu'on avait choisi. Et c'est un peu comme les compagnons, vous êtes censé de produire une œuvre pour cette 4e année ou... On travaillait sur certains projets, mais c'était... Il n'y avait pas d'œuvre... Particulièrement favorisée, privilégiée plutôt qu'une autre. Enfin, non, c'est une approche technique, une approche esthétique. Donc on travaillait surtout à partir de plans et d'élévation et de perspectives. D'accord. Voilà. Donc ça restait, à mon goût, maintenant avec le recul, un peu scolaire. Okay. On faisait de très beaux dossiers, très belles perspectives, des dessins. C'est le rôle de l'école d'être scolaire, remarquez. Hein, oui, on mais... On ne peut pas lui reprocher. Même si sur les deux écoles, parce qu'il y avait les arts appliqués Olivier de Serres et les arts appliqués Dupéré, les arts appliqués Dupéré, c'était beaucoup plus technique. D'accord. Donc nous, on était plus dans la créativité. Ok. D'accord. Ce qui me correspondait un peu plus. Et donc, vous aviez plusieurs cordes à votre arc, là. C'est-à-dire que vous pouviez... je ne sais pas, vous orientez plutôt du côté d'un cabinet d'architecte que du côté d'un décorateur, que du côté... Enfin, c'est ça ou... Oui, enfin, peut-être pas aussi poussé, parce que l'architecture, c'était quand même un support. C'était pas, on ne créait pas l'architecture, donc on s'adaptait à la... Oui, mais les architectes ont peut-être besoin de gens qui ont votre capacité à, justement, les plans d'élévation, les machins comme ça. C'est pas faux, parce que c'est ce que j'ai fait en sortant de l'école. J'ai commencé par faire des plans, parce que je trouvais rien d'autre. Donc j'ai fait des plans, et encore c'était en espèce de stage. Donc vous avez eu votre concours Alors j'ai eu le concours au bout de 4 ans, j'ai eu mon diplôme, je veux dire. Diplôme d'art mural. Voilà. Autrement dit, plasticien surface, ça c'était le nom savant de... qu'on a eu, qui nous nommait. Et ensuite, on avait le choix, soit on pouvait quitter l'école avec le diplôme d'État, le diplôme d'école, ou alors continuer et faire un BTS. Ah, d'accord. Donc en fait, je n'ai jamais passé le bac, mais j'ai mon bac, puisque j'ai fait 2 ans après de BTS. Et vous êtes resté à l'école en armurage, je suis resté, j'ai poursuivi mes études 2 ans de plus, et passé le BTS à la fin des 2 ans. D'accord, et ça aussi, ça continue à vous plaire et tout ça, c'était... Oui, moi j'étais, de toute façon... ça a toujours été mon moteur, quoi. Et c'est une école publique. Oui.
Hein, donc, et le public que vous formiez avec vos copains, c'était surtout des mecs, des nanas, il y avait de tout. Non, y avait... C'était partagé. Hein. Je pense que la parité existait déjà. Bien sûr, oui. Donc, et du point de vue social aussi, c'était des gens un peu différents. Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a qui venaient d'écoles prestigieuses, écoles privées, et d'autres, comme moi d'ailleurs, qui venaient de... Oui, c'est bien. Et vous avez gardé des copains de cette époque. Mais oui. Oui. Mais en fait, j'ai organisé, parce que j'avais un très bon souvenir, il y avait deux copains que je voulais retrouver. Uh-huh. Et 20 ans après, ou 25 ans après, j'ai fait une recherche. D'accord. Et en fait, j'en ai trouvé un, puis deux, puis quatre, puis dix. Et tous ont fait comme vous, ils ont trouvé du boulot assez vite, ils sont... Alors ils sont... Ouais, enfin... Si, en fait, la majorité de ces personnes sont restées dans cet univers-là. Mmh. Il y en a très peu. Bon, il y en a qui est un peu sombré, il y en a un qui est un peu sombré dans le... qui lui était parti dans le rock et dans... Ah bah les artistes, c'est sûr. Et oui, et puis voilà. Du coup, bon, il a mal fini parce que la drogue l'a rattrapé, enfin bon. Ouais. Et lui, il n'a pas voulu venir, enfin retrouver le groupe parce que ça lui aurait fait un peu de mal, je pense. Ouais. Et bon. Enfin, grosso modo, vous êtes très content de cette formation, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Enfin, c'est un truc qui est... Oui, si ce n'est que... Bien foutu. Si ce n'est que c'était un peu trop scolaire. Un peu trop scolaire, et du coup, il n'y a pas le côté... Alors, il aurait peut-être fallu que je prenne l'option ou poursuivre après aux Beaux-Arts, peut-être. Ah oui. Parce que les Beaux-Arts, ça permet de pouvoir travailler sur son projet personnel. Vous regrettez pas trop. Non, je regrette pas du tout, non. Ok, donc là, vous entrez dans la vie professionnelle, comme on dit, normale. Oui. Et à votre compte... Ah ben non, vous êtes d'abord dans une agence, donc vous... Alors là, c'est des petits boulots. C'est des petits boulots. C'est du stage, c'est histoire de... Il y en avait encore à l'époque, oui. Oui, c'est vrai. Mais... Enfin, à l'époque, ça fait jamais 30 ans, à peine. Oui. Mmh. Ouais. D'accord. Mais voilà, et puis jusqu'au jour où le premier pied à l'étrier, en tant que décorateur de spectacle, je l'ai trouvé, bon, c'était peut-être pas le meilleur des postes, mais c'était le plus enrichissant, et là où il fallait se débrouiller, c'était décorateur de spectacle dans les villages vacances. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc j'étais un géo. BBF et tout ça. Ah oui, vous étiez c'était... gentil organisateur. Ouais. Ouais. C'était pas le Club Med. Non. À l'époque, il y avait le Club Aquarius qui venait d'ouvrir, qui a été après racheté par le Club Med. Oui. Et donc, première expérience professionnelle, réelle. Voilà, je suis parti en Yougoslavie. À l'époque, ça s'appelait comme ça. À quel endroit? Alors, c'était... Ben, je suis arrivé à Zadar, mais en fait, c'était... C'était en Croatie. C'était... Oui, alors, actuellement la Croatie. Ouais. Et, mais là, j'étais à Karlobag, ça s'appelait Karlobag. Oui, d'accord, oui, c'est une station touristique. Pas que vous connaissez Karlobag, si? Bah, un petit peu, quoi. Ah, oui, je connais un peu. Là, ça, c'est étonnant. Oui, c'était très touristique, quoi. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Bon, c'était le début du tourisme populaire, on va dire. C'était un moment. C'était le bronze cul de l'Europe. Je pense que ça l'est plus aujourd'hui qu'à l'époque. Mais peut-être, oui. Mmh. Ouais. D'accord, voilà. Donc vous avez fait le... Alors là, c'était à la demande, c'est-à-dire ce soir on va faire un machin tahitien, tu nous fais un machin tahitien? Alors non, parce que c'était plus organisé que ça, quand même. Parce que ça tournait sur 2 à 3 semaines. Donc il fallait un décor pour chaque jour. Oui. Ah oui. Donc pendant. Qui tournait, qui se renouvelait toutes les 2 ou 3 semaines. D'accord. Et donc il m'a fallu 2 mois de préparation pour faire tous ces décors. Donc. Pendant les 2 premiers mois, je travaillais en atelier, je ne sortais pas, j'étais le plus blanc de l'équipe. Vous étiez sur place, vous étiez là, on vous fournissait le matos et il fallait bosser toute la journée. Alors, j'allais acheter le matériel. Je me déplaçais à l'époque, il y avait très peu de moyens. Oui. Je partais avec un bus touristique. Il fallait trouver le matos en Yougoslavie. Il fallait que j'aille, j'avais 2 heures de route. Oui. Il fallait que j'aille chercher le matériel. Oui, à Zadar, que je l'achemine. La grande ville. Ouais, c'était Zadar, je crois. Ou Split. Ou... Non, je crois que c'était Zadar. Non. Zadar Split, oui. Après, c'était. Split, c'est dans le sud, Zadar, c'est dans le nord. Voilà. Oui. Enfin, c'est à peu près, un peu au milieu, on va dire. Oui. Et du coup, il fallait que je me débrouille sans connaître le croate, enfin, le Yougoslave. Ouais. Et donc, j'arrivais, il fallait que j'achemine des plaques de.
de 2 mètres sur 1,50 m, des tasseaux de 4 mètres qui permettaient de faire les pendrillons, enfin, de structurer la scène. Et tout ça avec mes propres moyens. C'est-à-dire d'accord. qu'il fallait que je prenne le bus et que je mette tout ça dans la soute. Okay. Alors, c'était compliqué. Et c'était uniquement pendant les vacances, enfin les c'était de la soute. Oui, enfin moi j'y allais nous on y passait 6-7 mois, 8 mois par an. Ah quand même, c'était une saison très longue. Ah oui, parce qu'il fallait préparer avant, après il y avait la saison pleine. Donc c'était pas simple. Hein. Enfin c'était pas simple, c'était joyeux, c'était quand c'était on a rigolo, 20 ans, c'est plutôt ça. Et c'était bien payé, c'était correctement. Non, c'était pas bien payé. Non, c'était pas bien payé. Non, c'était pas bien payé du tout, mais bon, on était nourri, logé, on rigolait bien, on faisait des spectacles, enfin bon, c'était, c'était sympathique. Sympa, quoi. Ouais. Okay. D'accord. Voilà, ensuite, c'est une bonne... ensuite, on va faire court. Hein. Ouais. Donc je passe, ensuite je reviens sur Paris. Ouais. Et là, j'intègre un atelier, bon, là où c'est quand même plus professionnel, parce que c'était limité. Hein, un atelier privé Un atelier privé, un atelier de décor, qui commençait à faire sur Paris les premières bâches peintes. D'accord. Que l'on a vu apparaître dans les années, c'était les années 80, 85. Les clients, c'était qui, là, c'était pour les bâches peintes c'est... Alors, les clients pour les bâches peintes, c'était... Soit c'était des annonceurs. Parce qu'en fait c'était pour cacher où on pouvait cacher les travaux les chantiers les chantiers sur les échafaudages et donc on pouvait aussi profiter de cette occasion pour donc décorer faire la publicité la promotion pour un produit jusque là vous serviez du trompe-l'œil alors, tous les moyens d'expression, ça dépendait du projet. Ça venait parmi d'autres trucs. Oui. Ça pouvait être les bâches en question, par exemple, on ne vous demandait pas expressément des trompe-l'œil. Non. On demandait de la pub, quoi. Oui, ça pouvait être... on a travaillé pour... On avait fait quand l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, a été rénové au niveau des sièges, il y avait tout un projet comme ça. Donc nous, on avait fait entre les colonnes de la façade, il y avait des bâches qui étaient suspendues. Oui, qui devaient quand même être correctes. Et qui représentaient justement les sièges. Mais ce n'était pas du pur trompe-l'œil, c'était une peinture en fait. Vous voyez le rouge des sièges. C'est ça. Et sponsorisé, donc de part et d'autre, il y avait des publicités qui finançaient le projet en fait. Et là, vous étiez créateur. Et créatif, c'est-à-dire vous proposiez des trucs à un jury ou je sais pas quoi, alors, qui disait est-ce que ça va, est-ce que ça va pas ou... Alors moi je réalisais. Donc les maquettes, moi j'étais pas maquettiste. D'accord. À cette époque-là. Donc il y avait un type qui proposait un... Voilà, il y avait une équipe qui faisait les maquettes. Nous on était dans les grands hangars, on réalisait les peintures. Quand c'était les murs peints, on était sur le mur, sur l'échafaudage. Et il y avait une patronne qui était là pour diriger, qui faisait les rendez-vous, qui proposait. D'accord. Vous avez fait ça pendant un certain temps. Pendant 7 ans, je travaillais là. On a fait quoi, pas mal de choses. On a travaillé pour Disney, en 92, Disney a ouvert là, à Paris. Donc moi, j'ai travaillé 8 mois là-bas, à faire les petits les décors partout, dans le château. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a paru l'atelier donc est paru dans le livre des records pour un trompe-l'œil de 10 000 mètres carrés qui représentait un château en fait. Un château. Ah oui, il fallait le voir de loin celui-là. Oui. Ah oui, c'était la réalité. C'est-à-dire on avait reproduit toute la périphérie du château. D'accord. Et c'était une maille d'échafaudage. Perspective et tout ça. Alors oui. Mais on pouvait tourner, on pouvait rentrer dedans. Parce qu'il y avait une exposition. Okay. C'était un château qui avait été détruit pendant. Mais l'envers du décor, c'était quand même du. Ça se voyait que c'était l'envers du décor. Bien sûr, on voyait bien que c'était ça. Mais c'était tellement étonnant à faire. C'était des bâches de 30 mètres de long quand même. On travaillait. 10 000 mètres carrés. C'est énorme. On était une trentaine, on a dû mettre 2 mois, je crois, 2 mois et demi pour faire tout ça. Est-ce que, une question idiote, mais est-ce qu'il fallait reculer de 3 km et puis revenir en courant pour peindre le truc ou... Non, mais dans l'atelier où on travaillait, on travaillait au sol,
Et il y avait un échafaudage qui était monté dans l'atelier. Pour pouvoir voir ça de prendre du recul. Donc oui. Nous, au lieu de reculer, on montait. Ok. Et on regardait ce qu'on avait réalisé. Pour voir si on n'avait pas raté le détail. Oui, exactement. C'est quand on est dessus, on ne voit que des tâches. Hein. C'est bien sûr, oui. Donc on travaillait des fois, même comme le font aussi les peintres de théâtre. C'est une grande perche. C'était très sympa. Et donc, voilà, on a fait pas mal de travaux comme ça, de prestige. Ouais. Et au bout de cette année, la boîte a coulé. Bon, c'était pas trop bien géré non plus. Mais... D'accord. Et puis moi, j'ai profité de cette occasion pour m'échapper, puisque pendant la période où j'étais animateur, j'ai rencontré une périgourdine. D'accord. Eh oui. Voilà, du coup, avec qui je me suis marié, je l'avais rejoint sur Paris. Et puis... Qui était elle-même en vacances en Yougoslavie. Ah non, elle était animatrice aussi. Elle était au boulot, d'accord. Elle okay. Mais dans les bureaux. Ouais. Et puis, du coup, elle avait passé 10 ans sur Paris avec moi. Ouais. Puis moi, on s'est dit, tiens, on va redescendre, enfin, pour elle surtout. Ouais. Et puis, on s'est installé du côté de Gardonne. D'accord. Voilà, Pineuil. Mmh. Et ensuite Périgueux. Mmh. D'accord. Voilà. Et là, vous êtes mis à votre compte, comme on dit. Voilà, alors je me suis inscrit à la Maison des Artistes. C'est ça. Ah oui, c'est pas les artisans, c'est vraiment les artistes. Voilà, c'est la Maison des Artistes qui gère les auteurs, créateurs. La condition, c'est de gagner sa vie avec ou, Oui, il faut justifier. Il faut justifier le revenu. Mmh. Ouais. Et de création. Et de création. Ouais. Je ne peux pas faire de série, je peux pas. Il faut que je crée, je ne peux pas copier, faire des copies. Ah d'accord. Ouais, c'est la créativité qui prime. Ok. Mmh. Et vous êtes d'accord avec ça? Ça vous va? Moi, ça me va tout à fait, oui. ça correspond à ce que vous faites. Oui, ça correspond à ce que je fais. Et puis c'est. Voilà, refaire, faire des séries, pas très. Mmh. On a droit à faire des petites séries de 3, mais. Mmh. Comment on recrute quand on est un peintre de trompe-l'œil? Alors, vous deviez connaître pas mal de monde. Depuis, oui, pour grossir des équipes, quand il y a un chantier peut-être un peu plus important qu'un autre, ben en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés au travers des chantiers, des différents chantiers, qui j'ai gardé des contacts. Ouais. Non, mais je parlais aussi des clients. Ah, des clients, pardon. les clients, en fait, oui, alors... Mais là aussi, peut-être que vous connaissiez du monde. Non, parce qu'ici, je connaissais personne quand je suis arrivé. Ouais. Donc... Non, c'est le bouche à oreille, beaucoup. Je pense que ça, c'est important. Et les salons. Parce que là, vous arrivez ici, on est dans les années 90, 8 même. 90, 96, je suis arrivé. 96, ouais. Ah oui, il y a des salons. Oui, des salons. Le salon de. J'ai fait pendant 7 ans le salon à Bordeaux, Maison et Objets. Non, pas Maison et Objets, ça c'était Paris. Confort Expo. D'accord. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, ça a changé, je crois. Ouais, Maison Habitat, un truc comme ça. Uh-huh. Et. Donc pendant 7 ans, j'ai fait ça. Après, c'était des rencontres, des architectes du coin. Est-ce qu'il y a un petit monde du trompe-l'œil? Je veux dire, des gens qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui se disent « oui, tu devrais voir ça, machin ». Alors moi, je sais qu'il en existe, mais il y a des gens du trompe-l'œil, il en existe des gens comme ça. Ouais. Moi, j'ai travaillé d'ailleurs à Paris, ouais. Notamment une entreprise qui s'appelait Fresquille. Ouais. Avec qui je réalisais. Elle m'appelait parce qu'elle ne elle réalisait pas forcément. Ouais. Elle l'a fait pendant une partie de sa vie, et puis après, elle a délégué plus ou moins. Donc elle s'occupait de la conception. Mm-hmm. Donc j'en ai réalisé pas mal sur Paris. Mais sinon, il y a non, un noyau où on se retrouve ensemble pas vraiment. Et sinon, vos clients, alors donc je vois à Bergerac, il y a 2 ou 3 ou 4 trompe-l'œil, dont un privé, m'avez-vous dit, et puis deux publics en gros. Mm-hmm. Est-ce que les commandes sont prioritairement publiques ou privées? Vos commandes? Prioritairement privées. Ah bon? Oui. Alors, comme ça, en gros, est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Je veux un trompe-l'œil? Ou bien c'est vous qui leur proposez Voilà, alors non, oui, en général, ils veulent plutôt un trompe-l'œil. D'accord. Et ils savent à peu près lequel, Pas toujours. Ouais. Alors dans le cadre de celui de la
près de l'église à Bergerac. Oui. Là, c'est une demande précise. D'accord. Il voulait Paul Abadie et... Voilà, Paul Abadie et Mounet Sully. Et Mounet Sully, donc c'est le 100e anniversaire, là, exactement, en ce moment. Donc ça, c'est très précis. D'accord. C'est vous qui aviez ajouté la merveille qui est le lierre rouge, la vigne vierge rouge. Alors, on me l'a demandé. Ah, on l'a demandé, oui, aussi. Là, je répondais vraiment à une espèce de cahier des charges. Ah, d'accord. Qui n'était pas officiel, mais on m'a demandé de mettre les deux personnages à la fenêtre. Et puis après, on m'a demandé si on pouvait rajouter un petit peu de végétation pour végétaliser le lieu. Ouais, c'est vachement bien. Mm. Ouais. Et ça, pour Mounet Sully et Paul Abadie, c'est une commande privée? Alors, c'était la ville qui avait donné au comité de quartier, voilà, c'est ça. Tu vois, la liberté, en disant, voilà, vous avez tant d'euros, si vous voulez faire un projet, allez-y. Et ils ont fait ça. Mais ça a bien marché. Avec des exigences précises, alors. Voilà, ouais, il y avait une demande particulière. Ouais. Mais en général, c'est plutôt privé, donc. Oui, en grande partie, oui. Ouais. C'est parce que comment ça commence, les gens disent « Ah, j'ai un mur que je trouve moche » ou comment c'est ça plutôt ou... Oui, alors après, c'est pas forcément. Alors les murs extérieurs, c'est beaucoup du trompe-l'œil. Ouais. Après, les murs intérieurs, c'est plus de la déco. Oui, bien sûr. Alors, il y a du trompe-l'œil, ouais. Ça c'est certain. Mais c'est pour une ambiance un peu... comment dire, pour égayer un lieu, pour créer une ambiance, justement, quelque chose de chaleureux. Et alors là, tout est un peu, il y a plus de j'ai plus de, je suis plus dans la proposition. D'accord. Parce qu'ils savent pas exactement, ils ont des éléments. Et vous avez de quoi leur proposer un tas de trucs. Ben moi, je leur fais une proposition visuelle, c'est-à-dire je réalise une maquette. D'accord. Ou un crayonné pour commencer. Je leur soumets et après, c'est comme ça qu'on se cale sur la maquette. C'est là où on se permet de changer certaines choses. Ouais. Parce qu'après, une fois la réalisation faite, tout est possible. On peut encore changer, évoluer, mais ça pose plus de problèmes. Bon, on va pas trop vous embêter longtemps. Mais moi, j'étais prof de philo dans ma jeunesse. Et donc, je vous ai dit en commençant que le trompe-l'œil, ça m'intéressait parce que je trouvais ça paradoxal. On pourrait presque dire que c'est une peinture faite pour ne pas être vue, ou en tout cas pas être reconnue pour ce qu'elle est. Donc c'est assez paradoxal, puisque on se dit, t'as vu la jolie fenêtre? Ah mais non, c'est un trompe-l'œil, donc c'est pas une fenêtre. Alors bon, c'est vrai aussi, ça doit être bizarre, mais je pense aussi à cette histoire, j'ai oublié le nom de ce peintre de l'Antiquité, mais vous connaissez peut-être, dont on disait qu'il était tellement bon que quand il peignait des raisins, les oiseaux venaient picorer les raisins. Ouais. Alors, je connais cette histoire. Par contre, le peintre, c'est un peu comme vous. Ça nous reviendra. Ouais. Et donc, est-ce que c'est ça votre truc? C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est peindre des raisins de telle manière que les oiseaux viennent les picorer, quoi. Oui, donc, est-ce que votre rêve, c'est le fac-similé? Je ne sais pas s'il y a une différence entre fac-similé et trompe-l'œil, d'ailleurs. Non, je pense que c'est à peu près la même... Enfin, après la définition, je ne connais pas toutes les définitions, mais il semblerait que ça soit la même chose. Ouais. Est-ce que vous voulez vraiment tromper l'œil? Non, mais moi, je pense que ce qui est intéressant... Oui. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de troubler, et d'avoir l'hésitation, en fait. Alors, je ne veux pas forcément, parce que si ça ressemble, comme vous disiez, si on va au paroxysme, si on va jusqu'au bout, on passe à côté, on sait, si c'est trop bien fait, on ne sait pas ce que c'est. On regarde même pas, puisque On est vraiment trompé. Voilà, on est vraiment trompé. Et je pense qu'il faut rajouter un petit truc, il faut quelque chose qui dénote un peu, ou qui ait un peu de poésie dedans aussi, parce que c'est... si c'est trop bien fait, c'est froid. Enfin, d'accord. Temps de mettre un poster, une photo. Ouais. Bien d'accord avec vous. Il faut une patte, il faut qu'on sente quelque chose. Ouais. Bon, derrière nous, on a des trucs un peu orientaux. Oui, c'est ça. C'est pourquoi? Alors, c'était un projet de papier peint. Tu peux les prendre, on va peut-être se... Oui. C'est un projet, vous disiez? C'était un projet de papier peint panoramique. Ah! Thank you.
Yes, exactly. I hear people talking a bit ruder. Yeah, that's the